Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission « Toute la Bible en parle ». Une émission qui a pour but de rehausser tout ce qu'il y a de plus noble dans le christianisme vécu. Aujourd'hui, nos invités seront Alire et Marie-Jeanne Carbonneau. Ils nous donneront un témoignage qui viendra en quelque sorte interpeller notre propre recherche de Dieu. Et la chanteuse Caro chantera à la gloire du prince de la paix qui seul peut donner le vrai bonheur. Et nous passons à la lecture, si vous voulez bien. Nous avons le livre « Les leçons de Marie, les quantités diminuent dangereusement ». Si vous n'avez pas encore reçu votre livre, demandez-le. L'auteur écrit « Marie a mis au monde son fils non pour qu'on parle d'elle, mais toujours de lui, non pour qu'on l'aime elle, mais toujours lui ». Et si vous voulez avoir toute l'histoire, bien entendu, c'est le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament porte ici le nom, est intitulé « Bonne nouvelle aujourd'hui » parce que c'est vraiment une bonne nouvelle. Ceux qui l'ont lu et ont assimilé le message dans leur vie, l'ont fait sérieusement et sincèrement, ont eu des vies changées. Je connais personnellement des gens qui avaient des problèmes d'alcool, de drogue et toutes sortes de problèmes. Des problèmes qui sont très profonds, qui sont très intimes, très personnels. Et ils ont été délivrés à cause du Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, mais ils l'ont trouvé en lisant la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vous invite à écouter un témoignage qui fait beaucoup de bien. Vous avez les numéros de téléphone, notez-les bien là. Vous allez entendre un témoignage sûrement qui va vous faire rire de temps en temps, mais un témoignage qui va droit au cœur et qui parle beaucoup à la conscience aussi. Je vous invite avec nous ici à nous rendre auprès d'Alire et de Marie-Jeanne Carbonneau. Ils habitent un tout petit village à Saint-Just, tout près des frontières américaines, dans le comté de Montmagny. Et nous allons les rencontrer dès cet instant. Les voici. Nous avons le plaisir d'accueillir Alire et Marie-Jeanne Carbonneau de Saint-Fabien. Je vous dis combien on a de l'affection pour vous, combien on vous aime. Merci. Mon épouse et moi. Et puis, on n'est pas les seuls, mais je me dépêche à le dire. Puis on aime tellement votre famille. 12 enfants. Avant de vous laisser la parole, je suis en train de tout raconter votre vie. Là, hein? 12 enfants chez vous. Et puis, on en connaît plusieurs. Puis, ils sont fidèles au Seigneur. J'en connais plusieurs qui suivent le Seigneur, qui aiment la parole. Et là, je vous laisse la parole. C'est vrai, ça, 12 enfants? Oui, 12 enfants. Oui, 12 enfants. Combien sur les 12, là, ils connaissent le Seigneur puis, ou ont fait profession? Tous les 12 ont fait profession pour le Seigneur. C'est quelque chose pour vous, hein? Dans l'espace de 3-4 ans. Oui. Ouais. Avant l'émission, Alire et puis Marie-Jeanne, on était en train de relater des bons souvenirs des années 75-76. 76, je pense. 76. Un jour où on était assis tous les trois, puis chez Éméré Gamache, là, Berthier-sur-Mer, dans le comté de Montmagny, puis on était en train de parler. Je pense que, Marie-Jeanne, qu'est-ce qui s'était passé dans votre vie, vous, à peu près dans ce temps-là? Qu'est-ce qui se passait dans votre vie, ou un petit peu avant ça, là? Bien, moi, j'étais pas mal religieuse, premièrement, puis je me posais beaucoup de questions. Puis c'est pour ça que ça m'a pas apporté à lire la parole parce que j'avais deux de mes enfants qui avaient connu le Seigneur par la parole qui est encore... Ça a commencé par vos enfants? Par deux de mes enfants. Est-ce que je peux savoir lesquels? Renal et Solange. Oui. Parce que les autres, mon mari avait reçu deux bibles par deux personnes qui faisaient du pouce. Mon mari avait fait embarquer. Ah oui? Oui, puis il avait donné deux Nouveaux Testaments, puis la Bible entière, toute la Bible. Puis ce soir-là, bien, on était, Renal et Solange étaient à la maison, on était tous à la maison. Puis quand mon mari est arrivé avec la parole, la Bible, là, lui, en arrivant, il dit « Oh, la belle Bible! » Il dit « Regarde le beau cadeau que j'ai reçu, Renal, Solange. » Après d'en veiller, là, ils ont pris, ils disaient à leur père, ils disaient, les prêtez-vous, on dit, on va la lire.
Puis ils restaient à Montmagny dans ce temps-là. Ils ont pris la Bible, puis l'ont porté à Montmagny. Puis c'est là que Renal et Solange, ils ont accepté la parole, ils ont accepté le Seigneur par oui. Père Emery, Emery Gamache. Le là, témoignage de Emery Gamache. Oui. Oui. Ça, c'est extraordinaire, mais vous venez de piquer ma curiosité, là, Marie-Jeanne. J'allais oui. vous appeler Jeanne d'Arc, je ne sais pas pourquoi. C'est parce qu'on vous appelait Jeanne d'Arc, toute Jeanne, c'est votre petit temps, puis oui. toute votre vie, on vous a appelé Marie-Jeanne. Le secret est sorti oui. à des milliers de personnes. Je ne m'en voudrais pas trop. Là. Non, non. Mais c'est Marie-Jeanne. Vous aimez ça, vous faire appeler Marie-Jeanne. Oui. Mais à lire, ça a vraiment commencé en faisant monter quelqu'un qui faisait du pouce. C'est ça, ouais. Bien, moi, j'avais des garçons qui voyageaient souvent sur le pouce, hein. Puis moi, j'aimais pas beaucoup ça, en faire embarquer des personnes en automobile comme ça, on sait pas à qui t'as affaire. Puis, mais quand j'arrivais à la maison, les enfants me demandaient s'il y avait quelqu'un qui me demandait d'embarquer sur le pouce. Et puis moi, je les faisais pas embarquer, puis les enfants me disputaient. Par la suite, bien, je me suis décidé, on dit on n'a pas d'argent, le monde allait me voyager parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils aiment embarquer, faire un bout parce qu'ils vont étudier. Et puis, ah oui? Ouais. D'être le bon samaritain. Ouais, j'ai dit on va en faire embarquer, on verra. On verra ce qui arrive. Mm-hmm. Mais c'est arrivé que c'est ça, que quelqu'un m'a donné une Bible et puis un Nouveau Testament. Je ne savais pas comment c'était commencé pour vous. Le commencement, c'est ça. C'est ça. Vous, est-ce que vous connaissez la personne qui vous a laissé ça? Qui vous a... Non, ça a l'air, je sais simplement une chose, que ça a l'air Rimouski. Pour donner d'autres bibles. Aimeriez-vous ça de rencontrer? Ah oui, j'aimerais bien ça. Il y a un homme et une femme. Puis s'ils se reconnaissaient en regardant l'émission? Moi, je sais pas. Là. Il y avait à peu près votre âge? Votre âge ou plus jeune? Non, je sais pas. Plus jeune. Plus jeune que vous. Plus jeune. Ce serait beau, par exemple, si ces gens-là là, pouvaient s'identifier, vous reconnaître et puis se rappeler que... Mais vous allez en parler un petit peu, peut-être qu'ils vont se connaître. Qu'est-ce qui était arrivé dans l'auto, ouais. la conversation? Oh, il n'y a pas eu de conversation longtemps, mais il a fait embarquer deux autres plus loin, et puis ah oui? là, on n'a pas parlé de rien. Ils vous ont laissé deux bibles, une bible, puis un nouveau testament. Lire ça, qu'on serait heureux en comprenant ce qui est écrit là-dedans. Puis le soir, là, qu'on était réunis ensemble chez Méré, puis que vous n'aviez pas tout à fait saisi encore. Est-ce que vous vouliez, comment vous vous sentiez ce soir-là? Puisqu'on en a parlé, j'ai vu que vous vous en souveniez. Bien là, j'avais pas rendu chez Emery Gamache, mais là, on avait entendu. Là, c'est plus loin que l'arrivée de la Bible. Là. On avait entendu parler par Renal, par Solange, par Emery, ainsi de suite. Mais c'est pas le début. Moi, c'est pas tout à fait comme ça, là. Comment c'est arrivé? Ben, le commencement, là, il faudrait que je dirais plutôt que dans ma vie, moi, là, c'est plus jeune. Tantôt, on disait que connaître Dieu. Moi, j'ai cherché toujours Dieu depuis que je suis jeune. Comprends-tu? Par sa création. Je m'en allais m'asseoir sur les galeries le soir, sur ma galerie de mon père, ma mère, là. Puis je regardais ce que Dieu avait créé. Et je voyais que Dieu existait. Ça, j'avais compris qu'il y avait un Dieu. On nous avait enseigné, mon père, ma mère, qu'il y avait aussi un démon. Qu'il y avait un enfer. Et puis que c'était triste d'aller passer l'éternité là-dedans. Qu'il y avait un certain, des chaînes, des fourches là-dedans. Bon, c'était un peu rare. Mais tu gardes ça dans ta mémoire. Oui. Tu commences à avancer dans la vie. Et puis là, ben, tu commences à avancer dans la vie, mais tu ne connais pas. Tu sais qu'il y a un Dieu, tu sais qu'il y a un démon, tu sais que tu es attiré vers le mal, tu le sens toi-même, et puis tu continues, tu avances. Mais à un moment donné, tu dis que le bord que je vais prendre, tu sais, je ne suis pas rendu à la Bible encore, là. Que le bord que tu vas prendre, supposons que je meurs demain, où est-ce que je vais aller? Je ne savais pas. Vous posiez cette question-là des fois? Ben, très jeune, mais je ne cherchais pas Jésus-Christ dans ce temps-là. Mais on nous avait dit que, surtout qu'en enfer, il y avait une horloge, une grosse horloge, qui faisait tic-tac, toujours y rester, jamais en sortir. Hey, messieurs, je trouvais que c'était long. On a ri aujourd'hui, mais c'est pas drôle. Je trouvais que c'était pas mal long. J'ai dit, si ça se passe de même, il va falloir faire attention. Puis j'ai demandé à ceux qui m'enseignaient, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas aller là? Bien, faites le bien, puis j'allais aller au ciel. Mais on savait bien par la suite, je savais bien par la suite que j'avais besoin du bien, mais j'avais besoin du mal aussi. De s'arrêter de faire le mal, ça, c'était le pire. Ça fait que c'est là que la Bible a arrivé, là.
La Bible est arrivée tranquillement, comme ça, là, comme on a expliqué devant. Là. Sur la route. Hein, sur la route de la vie. Et puis, dans les derniers temps, une de ses sœurs qui est décédée, puis elle, je me rappellerai toujours, elle venait nous voir assez souvent, pour parler de la mort. Sais-tu ce que je voulais? Elle ne savait pas ce qu'elle allait. Puis moi non plus, je ne savais pas. Puis Lisa, moi non plus, je ne savais pas. Je crois, si je le sais, là, d'après tout ce que j'ai appris à venir jusqu'à aujourd'hui, là, c'est sur le diable qu'elle va aller. Ça ne peut pas faire autrement. Puis j'avais demandé à ceux qui m'enseignaient spirituellement. Ça avait commencé à Sainte-Justine plus jeune, ça. Il y avait eu un enterrement d'une femme, une femme qui était décédée. J'avais demandé à celui qui avait procédé au service, pouvez-vous me dire à quelle place qu'elle est allée? Il fallait que je sache ça, là, parce que moi, je voulais savoir ce que j'allais aller. Puis lui, là, il fallait qu'il me dise où elle était allée. C'est des bonnes questions. Quand on dit c'est l'éternité. Ben oui, hein? Ça vaut la peine d'y passer et de s'arrêter. Ben. Voir ce qu'on va pour l'éternité. Ouais, ouais. Pas le reste de l'euro, le reste de l'éternité. De l'éternité, là. Fait que ça vaut la peine d'y passer. Oui. Ça fait qu'il ne savait pas. Mais il ne savait pas. De même, il ne sera pas plus pour moi. Ce qu'on va aller dans la vie de bord, on va aller sur le diable. Ça va être simple. Ça va être décidé. Il ne sait pas ce qu'on va. Puis moi, je ressens. On parlait de mesure. Ouais. De bien et de mal. J'ai dit, j'ai fait bien du bien dans ma vie. Je sais que j'ai fait bien du bien. Mais je pense que j'ai fait plus de mal. Alors, je vais aller chez. Moi, j'admire beaucoup la sincérité d'aller. La façon. Puis, vous êtes ensemble depuis combien de temps, là? J'en fais marié? 44 ans, c'était 44 ans. Ça veut dire que ce qu'Alire vivait, automatiquement, Marie-Jeanne, elle devait se poser les mêmes questions à la maison, là. Je me posais beaucoup. Les mêmes questions que vous posez. Lui, c'est la façon que vous nous les posez, les questions, qui nous font réaliser combien vrai ce que vous dites. Mm-hmm. Combien vrai. Où est-ce qu'on va passer l'éternité? Pourquoi est-ce qu'on est là? Ouais. Puis si on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on s'en va? Je m'en venais sur la route tantôt. T'es peuré, ça. Puis je savais où est-ce que je m'en allais, mais si j'avais dit où tu t'en vas, Fernand, puis je dis, je sais pas, je m'en vais. Je suis jamais arrivé ici. Mm. Les gens s'en vont comme ça sur des voies rapides, sans savoir où est-ce qu'ils s'en vont. Mais est-ce qu'il y a qu'est-ce qui a cliqué là-dessus pour Marie-Jeanne, mais pour aller, qu'est-ce qui a fait, quand je vous ai laissé ce soir-là, moi, je vous avais laissé un beau verset dans 1 Jean 5:13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, on a entendu quand je parler. Vous ai vu après, vous aviez accepté le Seigneur. Oui. Après ça. Mais qu'est-ce... Vous vous souvenez des moments précis? Ah, ben, à un moment donné, j'ai pris une décision. Là. Je t'ai dit tantôt là, que j'étais assuré que je m'en allais sur Lyon. Ben oui. Bon, ben, dans ce cas-là, je ne voulais pas y aller. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, c'est en lisant, là, beaucoup de personnes, hein, faut pas dire bien qu'un, et pas seulement qu'un versant qu'on attend avant de décider de prendre une décision. Moins, ouais. Bon, comme je ne savais pas, comme j'ai dit, je ne savais pas où j'allais, ou je savais mal, en lisant les Écritures, nos enfants nous avaient dit, quand ils étaient revenus, là, avec leurs études, puis le voyage à Montmagny, là, ils en revenaient chez nous, qu'ils étaient sauvés. Puis moi, j'étais certain qu'il était perdu. Ça vous intéressait, ça? Ça m'agaçait pour commencer, ça. Ouais. Pas mal fort. Mais on disait toujours dans ce temps-là, après avoir eu 12 enfants, on va aller sur le diable, puis toi, tu vas aller au ciel, t'as jamais rien fait de ta vie. Ah! Puis là, si ce n'est pas par vos œuvres que vous êtes sauvés... C'est bien écrit. On t'a dit, j'ai pris la semaine. Il m'a dit oui. Ce n'est pas par vos œuvres que vous êtes sauvés, c'est par la foi. C'est un don de Dieu. Oui. Oh, ça démarque à toutes là, mes années passées. Là, j'étais rendu à 50 ans, moi. Ça démarque à tout mon passé. Puis c'était dur à accepter, puis j'ai dû passer. Quand j'apprenais à l'affaire comme ça, là, je passais la semaine à lire ça puis à méditer là-dessus. Puis je ne pouvais pas le démarquer, donc c'est la vérité. Donc, ils ont dit, c'est par Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on va faire d'abord pour être sauvé? C'est sauvé par la grâce, c'est par la foi, bien sûr. Mais... De quelle façon? En allant à Jésus-Christ, en reconnaissant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Puis quand on lisait les Écritures, on voit dans l'Évangile de Jean, là, t'as besoin d'en savoir bien long, c'est marqué. Il dit lui-même, Jésus-Christ, je suis la porte. Moi qui savais qu'elle est sur le diable, lui dit, je suis la porte pour entrer dans le ciel. C'est tout ça. Ça aurait été irresponsable de ne pas prendre la porte.
Puis vous l'avez pris, cette porte-là, qui est Jésus. Mais je n'avais jamais su, là, aller à 50 ans que le porte prendre. Lui, il dit, je suis la porte, Bacoudo. C'est par Jésus-Christ qu'il faut aller. Nul ne vient au Père que par moi, Jean 6. Ça fait que... Là, j'ai dit, il va falloir que je prenne une décision. Là, je m'aperçois que la vérité est là, que je ne l'ai jamais su. C'est assez curieux, mais je ne l'ai jamais su comme il faut. Mais il me reste une décision, pas rien que le savoir, là. Une décision personnelle, moi-même, à prendre dans ma vie pour y aller. Faut-tu dire oui? Quand quelqu'un est appelé par le mariage, il aime sa femme, la femme aime son mari. Mais s'il ne prend pas de décision d'aller dire oui devant quelqu'un, s'il arrive, il n'est pas marié. Mm-hmm. Ah! Ben, il va falloir que j'en prenne une décision. Mm-hmm. Et puis là, on m'avait enseigné d'autres versets des Écritures, bien certain, surtout dans Apocalypse 3:20. C'est là que j'ai fini par prendre ma décision. Mm-hmm. C'est marqué, voici encore, voici je me tiens à la porte. Puis lui, il est la porte. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il y a une petite distinction avec la porte de tout à l'heure. Là, il y avait un gars devant moi, puis il me dit, là, il m'explique ça spirituellement. Tu verras pas Jésus-Christ arriver à la porte. Et ôte-toi ça dans la tête. La porte de ton cœur, Jésus frappe à la porte de ton cœur. Veux-tu laisser entrer? Il frappe, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé. Ça veut dire qu'il frappe, il frappe. Mais tu vas-tu prendre une décision de l'accepter ou pas? Tu ne le verras pas en personne, parce que Jésus-Christ est mort sur les 2000 ans, puis il monte au ciel, puis il va revenir à la fin nous chercher. Donc, tu ne le verras pas à la porte. Puis là, bien, méditant là-dessus, j'ai vaincu, non. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, il va falloir que je prenne une décision. Il va falloir que je me décide. Et puis là, après avoir tout compris ce que ça voulait dire, là, on se laisse, on va se coucher. Là, on médite. Là, je suis pris avec l'Apocalypse 3:20. Toute la nuit. J'ai dormi à peu près à une heure dans la nuit. Puis là, il y avait des petits démons là, qui sont venus là, se mêler de ça, là, trois petits démons en morning coat, des chapeaux de soie. Là, que... qui c'est ça? Que, là... Qui c'est ça, Marie-Jeanne? Et j'avais descendu dans la cave, tu sais, puis ma cave était en ciment, mais elle était toute fendillée, comprends-tu? Il y avait des gros espaces, des espaces de 5-6 pouces que le ciment s'était laissé. Et puis, les démons étaient dehors, les petits morning coat bien habillés. C'était un rêve que vous faisiez, ça? Dans la nuit. Oui. J'avais réussi à dormir une heure, mais pendant cette heure-là, ça travaillait tout le temps dans ma tête. Hein. Puis là, il dit, laissez-nous rentrer. Non, il ne veut plus vous rentrer ici, là. Je suis en train de prendre une décision pour jamais vous voir la face, puis vous rentrer dans ma maison, puis j'ai assez de misère avec vous autres. Bravo. Et puis, non, on est tout petits, dingue, ce dos. Oui, mais c'est les plus dangereux, hein? Ben, je sais, quand vous va vous avoir laissé rentrer, vous allez devenir des 6 pieds. Ouais. Puis là, vous allez être dangereux. Non, ils vont dire, ferme-moi ça, cimentez-moi ça. Il y avait des hommes avec moi, cimentez-moi ça pour plus grand. J'avais jamais entendu votre rêve. C'est une belle illustration de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Oui, puis c'est là que j'ai pris une décision. Ben là, mais ça a pris du temps quand même. Moi, j'ai voyagé dans les nuages pendant 3 mois à peu près. Mm. C'est assez curieux à expliquer. Je ne pouvais pas prendre des décisions parce que je n'aimais pas assez le Seigneur. Pour marier quelqu'un, il faut que tu l'aimes. Mm. Mais j'avais juste appris ça, là, mais je n'étais pas tombé en amour avec. Là, vous êtes en amour depuis. Il y a une belle église ici. Il y a des gens qui chantent des beaux cantiques. Là-dessus, mon cher Ali, oui. Croyez-le ou non, Marie-Jeanne Carbonneau, c'est déjà la fin de notre entretien. J'espère que ça ne prendra pas un autre 14 ans avant de se retrouver, parce que ça fait 14 ans que vous êtes venu à l'émission Toute la Bible en parle. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Bonjour. Nous sommes de retour en studio. C'était Alire et Marie-Jeanne Carbonneau dans le comté de Montmagny. On aurait dû faire quelques autres émissions avec eux pour vous les présenter, mais nous allons y retourner. Nous avons été touchés par leur témoignage qui est clair comme du cristal. Et c'est vrai, tout ce qui a été dit là, c'est quelque chose de vrai, d'authentique, de précieux, de vécu dans la vie d'Alir et de Marie-Jeanne. Et plusieurs de leurs enfants connaissent le Seigneur même. Il y a un caméraman qui est le beau-fils d'Alir qui est ici aujourd'hui. Et il y a Martin Fortier, un autre caméraman, qui m'a dit tantôt,
C'est un beau nom que porte à lire. Nous sommes une Bible ouverte. La Bible, dont la vie de, qui est la vie à lire, est une Bible à lire. Alors, je donne le crédit à mon collègue qui trouve que c'est vrai, sa vie est comme une Bible qu'on peut lire. Il la laisse lire par tous ceux qui veulent aussi la lire. Et si vous voulez prendre quelques instants, là, juste pour regarder ce livre, c'est les Leçons de Marie par Gaston Racine. Il présente le Seigneur Jésus-Christ au travers de sa mère, la mère de Jésus, et le Nouveau Testament aussi. Peut-être qu'on a encore le temps de vous montrer les numéros de téléphone avant d'entendre Caro, qui est au micro et qui est toute prête à nous faire une chanson. Vous les voilà, ces beaux numéros. Notez-les bien, ce sont les vôtres, et puis appelez-nous. Ça nous fait plaisir d'entendre votre voix et de parler avec vous. Eh bien, maintenant, vous voulez trouver une paix durable, vous aussi, comme Alir, comme son épouse Marie-Jeanne, comme bien des gens à travers le monde et dans cette province, eh bien, je vous propose sincèrement d'accepter Jésus pour votre sauveur. Il vous donnera le vrai bonheur. Voici Caro. Je cherchais ma propre gloire, mais c'était en vain. Et quand j'obtenais des victoires, ça ne m'apportait rien. Jésus s'est fait connaître à moi. Un certain jour, il a rempli mon cœur de joie, d'amour. Jésus est devenu l'objet de mes louanges. Oh, gloire à ce prince de paix! Gloire, oh gloire à Dieu. Je croyais bien que le succès engendrait le bonheur. Je travaillais, je l'atteignais, mais triste était mon cœur. Jésus s'est fait connaître à moi. Un certain jour, il a rempli mon cœur de joie, d'amour. Jésus est devenu l'objet de mes louanges. Oh, gloire à ce prince de paix, gloire, oh, gloire à Dieu. Oui, sur cette terre, tout est vanité. Si tu ne crois pas à Jésus crucifié, mort et ressuscité, accepte Jésus pour ton sauveur, tu auras la vie. Il te donnera le vrai bonheur, Jésus, ton ami. Un jour, il a rempli mon cœur de joie, d'amour. Jésus est devenu l'objet de mes louanges. Oh, gloire à ce prince de paix, gloire, oh, gloire à Dieu. Oui, gloire à ce prince de paix, gloire à Dieu. Oui, gloire à ce prince de paix. Vous voyez que la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose d'ennuyant. On peut s'amuser, on peut chanter avec joie, comme l'a fait Caro. Merci beaucoup, Caro, et revenez-nous bientôt. Et on a vu aussi par le témoignage d'Alir et Marie-Jeanne que la vie chrétienne est remplie de surprises et puis de gaieté, puis de bonheur. Mais le vrai, cette fois-ci, ce n'est pas la recherche de choses qui sont vides et vanitieuses, qui donnent rien. Réellement, c'est une vie qui vaut la peine. Il y a ces moments d'épreuve aussi, mais je peux vous dire, je peux vous témoigner qu'au fin fond
de son cœur quand on connaît Jésus, il y a une paix réelle que nul autre peut nous donner, qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent, le prestige, les honneurs, les médailles. Mais la paix de Dieu dans sa vie, c'est quelque chose qui compte. Vous pouvez aussi le recevoir, c'est ce même Seigneur dont on a parlé ici et à chaque semaine. Il s'agit là où vous êtes tout simplement comme un enfant. Il ne s'agit pas d'accepter une religion, une philosophie, de faire des grandes études. Il s'agit sincèrement de regarder au Seigneur puis de dire, « Je te reconnais comme celui qui m'aime, qui a donné sa vie. Je suis un pécheur perdu et je veux accepter la vie que tu m'offres. Tu as donné ta vie pour moi et je t'accepte comme sauveur et Seigneur. » Il va le faire. N'oubliez pas de demander les livres que nous vous avons montrés durant l'émission. Je ne les ferai pas encore une fois. Vous avez la cassette de Caro, sûrement, que vous pouvez trouver dans plusieurs librairies, un peu partout. Demandez-la et sûrement que vous aurez encore des bons moments, des bons souvenirs en écoutant cette cassette intitulée « Je t'aime ». Et appelez-nous maintenant, appelez-nous après l'émission, de préférence maintenant. Parlez avec quelqu'un qui est là, qui veut vous écouter. Faites-nous connaître vos besoins. Avez-vous déjà fait l'expérience du Seigneur dans votre vie? Parlez-nous-en. Est-ce que Dieu vous parle quelquefois? Parlez-nous-en. La prochaine fois, ce sera Pierre et Claudette Pellerin et la chorale L'Estrie de joie avec Louise Lavoie. Alors, nous vous donnons rendez-vous. Soyez là, nous y serons. À bientôt.